Bonjour. Bonjour mes chéris. Attendez, même à... mon petit gang que je viens de faire sur moi. Attendez. Voilà. Vous êtes styliste, modéliste. Et puis mets l'autre aussi comme ça. Ça va ici. Ah ouais, j'aime trop quoi. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai un direct chaud là. C'est du hot. C'est du hot que j'ai pour vous. Donc attendez, je finalise ici en bas. Ça va ici. Bonjour, connectez-vous. Moi je fais les choses. Je fais mes choses en direct devant vous. Voilà. Maintenant, ça là vient ici comme le Sanja. Attends, on va faire ça comme le Sanja. Bonjour, hein. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Regardez, vous avancez quoi. C'est bien, non? Ouais, qu'il faut que ça tienne sur moi. Voilà. Bon, bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis de bonne humeur, ok? Je suis pompé à fond. J'ai un coup de gueule contre les femmes. Ok? Vous savez que j'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de femmes qui se laissent distraire ou arrêter ou encore frustrées ou encore influencées par les hommes. J'ai juste beaucoup de situations comme ça et ça m'énerve. Vous dépendez trop de l'opinion que les autres se font de vous. Bonjour, bonjour. Attendez, j'arrange mon Sanja. Oh là là. Attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas, il n'est pas là. Et je suis vraiment de bonne humeur aujourd'hui. Ah, et d'ailleurs, ça. Ok. On doit parler. Ok. We need to talk. Vous ne pouvez pas continuer. Ah ouais, si tu veux le même voiture, on peut te le poster. Hein. Ça fait peut-être 2 kilos. 2,5 peut-être ou 3 kilos. Maximum 3 kilos. Maximum vraiment. Ok. Ne venez pas me distraire. Pardon? Vous avez fini? Tiens-le-toi la table. Ok. Vous devez prendre l'habitude de... Vous devez prendre l'habitude d'être concentré sur ce que vous voulez. D'être concentré sur vos capacités. Entre les femmes qui ont dit, oh, j'ai découvert que mon mari a le talisman dans son porte-monnaie parce qu'il veut agir contre moi. L'autre qui va dire, voilà, si je n'étais pas mariée, c'est que je suis à loin. Donc, tu sais à l'intérieur de toi que l'homme-ci, il m'aime, je l'aime, mais il ne serait pas heureux de me voir. Supposons peut-être, il y en a parmi vous, vous savez que vous pouvez être célèbre. Mamie, je ne sais pas pourquoi le réseau dérange. Attendez, je vais mettre... Un de mes téléphones là, j'ai un autre téléphone que je vais utiliser. Parce que je suis en train d'utiliser le Wi-Fi. C'est pour ça que ça dérange. Parce que le tolis que je vais dire là, ça sera un peu chaud sur certaines personnes. La mère te cherche.
Ouais, tu l'as appelé pourquoi? Le problème que j'ai. Tu as laissé la levure de ce truc. Tu as fait avec quelle levure? Levure de vigne. Quelle. Il y a une levure qui s'appelle levure rapide. Ce n'est pas ça que tu as fait, non? Non, c'est la levure. C'est la levure que Adeline avait laissé que j'ai fait. La levure qu'elle a fait la dernière fois. Ça, c'est pas bon. Il est capable d'acheter la levure chimique en route. À une époque, ici, là, tu achètes deux ou trois paquets de levure chimique. Le sachet là. C'est pas bon. Ça ne monte pas bien. Il y a l'autre qu'on appelle levure rapide. C'est en poudre blanche. Achète ce qui est en poudre blanche. Je vais faire une autre recette avec ça. Parce que ça, c'est. Regarde, ça, c'est pas bien monté. C'est ce qu'elle lui disait à elle-même tout à l'heure. Ça ne donne pas pour nous. Mais quand c'est comme ça, tu changes. Moi, je ne sers pas n'importe quoi à mes invités, mamie. Il va pas mal à peu près. Quand tu manges, ça doit être une bonne expérience dans ta bouche. On va faire une autre. Ah oui, oui. Ben, dis-lui alors. Je m'excuse, j'ai des invités à la maison. Ils ne répondent pas comme je veux. Donc. Attendez. Je cherche l'autre téléphone. Ma fille a mis mon sac. Ma voiture. Je vais arrêter le direct, je vais lancer l'autre. Parce que. Bon, une bonne chose, j'ai trouvé mon sac.